L'événement d'aujourd'hui, c'est la finale, la grande finale de la Ligue féminine. Donc ça regroupe près de 800 filles. La TFM, c'est la plus grosse ligue de femmes amateurs de tennis dans la région de Montréal et dans la Rive-Nord. On parle de 76 équipes pour l'année 2018. Et ce qui est bien de cette ligue-là, c'est l'appartenance à des clubs sur l'île de Montréal et à l'extérieur aussi. Donc, ça fait 40 ans que ça existe et ce que ça fait, c'est que ça nous permet à des femmes autant de jeune âge et un petit peu plus âgées à jouer au tennis et à compétitionner. Et ce qui est super agréable de ça, c'est la partie autant compétitive que la partie sociale aussi. Donc, ça fait des années que ça dure, puis on essaie de rester impliqué aussi le mieux qu'on peut. Je suis aussi une participante dans la Ligue. Ça fait 4 ans que j'ai commencé à jouer au tennis dans la Ligue. Et puis, j'ai commencé tranquillement à monter les niveaux et aussi goûter un peu au plaisir de jouer au tennis en équipe. Et on parle d'au-dessus de 850 joueuses de tous les âges qui pratiquent le tennis avec beaucoup d'amour. L'événement, ça rassemble plus de filles pour qu'on puisse avoir une bonne vision du tennis féminin au Québec. Premièrement, j'aimerais inviter les gens à venir s'inscrire au niveau de la Ligue d'Interclubs. Je pense que moi, j'ai 46 ans aujourd'hui. J'ai joué quand j'avais 19 ans. C'est une ligue qui a un beau mélange entre la partie sociale et la partie compétitive. Et je pense que pour le tennis, pour la longévité du tennis, c'est une ligue qu'on a besoin et qu'on doit continuer à nourrir avec le temps. Puis je leur souhaite un autre 40 ans.